Laetitia Hallyday, la veuve de l'idole des jeunes Johnny Hallyday, est régulièrement visée par des rumeurs sur sa vie amoureuse après le départ de l'homme de sa vie, elle est supposée l'avoir. Le magazine Clevé faisait état de la prétendue infidélité de la maman de Jade et Joy du vivant du taulier. « Oui, j'ai trompé Johnny », aurait-elle admis selon les propos rapportés par ce magazine. Mais cette allégation est évoquée en partie par la compagne de Jalil Lesper dans le documentaire « Johnny par Laetitia », qui sera diffusé ce 8 décembre dès 21h10 sur M6. En 23 ans, il y a des hauts et des bas. Il y a eu des moments très compliqués et c'est ce qu'on a vécu tous les deux. A confié Laetitia Hallyday qui se livre comme jamais dans ce documentaire. Et celle qui devrait se rendre en solo à Saint-Barth pour rendre hommage à son homme de préciser son propos. On a eu des moments de fragilité, on s'est séparés, on s'est remis ensemble. Il y a eu des infidélités mais c'était ma vie. Si c'était à refaire, je referais la même chose. J'ai vécu comme ça et je ne regrette rien, a-t-elle indiqué. Pour les besoins de ce documentaire, la séduisante blonde a fait confiance au réalisateur William Carell. Elle faisait confiance au réalisateur William Carell et elle a voulu être authentique. Elle voulait que sa vérité soit entendue. Elle voulait la dire sans forcément de détour, sans l'enjoliver, a indiqué Téléstar.